Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous conter une petite histoire qui m'a bien fait rire. C'est l'histoire d'un maire d'une grande ville, dont j'ai oublié le nom, et de la ville et du maire. Il décide de faire repeindre la mairie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un appel d'offres, parce que ça, c'est obligatoire, et il reçoit 3 devis. Alors, le premier est celui d'une entreprise roumaine. Ce devis s'élève à 3 millions d'euros. Le deuxième vient d'Italie, à 6 millions d'euros. Et enfin, le troisième d'un Marseillais, d'une société marseillaise, qui est à 9 millions d'euros. Alors, le maire, devant de telles différences, convoque les 3 entrepreneurs, séparément, pour qu'ils détaillent leur devis. Alors, le Roumain lui dit qu'il utilise de la peinture acrylique pour extérieur en 2 couches pour 1 million. Pour les échafaudages, les brosses, équipements divers et assurances pour aussi 1 million. Et le million restant, c'est pour la main d'œuvre. Bien. L'Italien arrive et justifie son devis en disant qu'il est le meilleur peintre au monde, qu'il utilise des peintures de polyuréthane en 3 couches, très bien, dont le coût s'élève à 3 millions. Les échafaudages et autres matériels, équipements et assurances coûtent 2 millions. Et bien sûr, le million restant, c'est pour la main-d'œuvre. Arrive le Marseillais. Alors celui-ci, finalement, gagne facilement l'appel d'offres parce que le maire estime qu'il présente le devis le mieux adapté et le mieux justifié. Alors voici le devis du Marseillais. Monsieur le maire, 3 millions pour vous, 3 autres pour moi. Eh bien, et les 3 restants, nous les donnons aux Roumains pour qu'ils nous payent la façade de votre mairie. Alors évidemment, toute ressemblance avec la vie politique actuelle ne serait que fortuite. Alors, on se demande ce qui se passe quand même en ce moment dans cette Macronie, où depuis, ça fait 2 mois, presque 2 mois, on n'a plus de gouvernement, plus de Premier ministre, plus rien. Et ce qui est assez amusant dans cette histoire, quand même, c'est que on est dans un système extraordinaire qu'on nous a nommé la parenthèse enchantée. Et en fait, c'est la parenthèse déjantée à laquelle on a affaire. Parce que on n'a plus de gouvernement, on n'a plus de politique, on n'a plus rien, mais on a dépensé un maximum. Faut savoir quand même que les dépenses qui ont été faites pour les Jeux Olympiques, on attendra le prochain rapport de la Cour des comptes, c'est l'année prochaine, pour en savoir un peu plus. Mais on a déjà une idée qu'on est à plus de 1,4 milliard pour la Seine, qui n'a pas été nettoyée finalement, qu'on serait à 300 millions, tenez-vous bien, 300 millions pour la cérémonie d'ouverture qui a été ratée, parce que franchement, présentée dans une cérémonie d'ouverture de Jeux Olympiques, la reine décapitée, trois personnages douteux qui s'enferment ensemble, une fille et 2 garçons qui sont un peu gays, on va dire, et également nous présenter la scène, la scène avec une drag queen en Jésus. Je ne vois pas où est l'intérêt sportif de ce genre de choses, mais je vois bien où est l'intérêt idéologique. Donc on est dans un système où c'est l'idéologie qui prime sur tout. Et la dernière des dernières, on nous annonce comme Premier ministre, éventuellement le maire de Saint-Ouen. Je vous laisserai le découvrir, vous allez voir, là on est au top de ce qu'on pouvait espérer pour déconstruire la France. Ça, on ne fera pas mieux. Lucie Castel, à la limite, dont personne ne veut, aurait peut-être, je dis peut-être parce que j'en suis pas sûr, été mieux que celui-ci. Mais c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, le principe, c'est d'amuser la galerie. Le principe pour Macron, c'est d'occuper les médias. Il le fait très, très bien. Et le principe, c'est de, je le répète, déconstruire la France. Et là, on est en plein boom. Ça y est, c'est bon. Il paraît que même la cérémonie des Jeux Olympiques, Paralympiques, va être inclusive. Alors là, il faut s'attendre au pire. Mais c'est pas grave, il y a un pognon de dingue. Il y a tout ce qu'il faut. Et en même temps, on coule la France. Et là, on nous prépare un nouveau virus, la variole du singe, le virus du singe, ça sera un gorille, ça sera un orang-outan, on ne sait pas, etc. Donc, le principe est toujours le même. Il est simple,
il tient en une petite phrase, on nous prend pour des cons. Voilà. Et comme je dis toujours, on est mal, on est même très mal, et là, franchement, on continue, quoi, hein. Allez, à bientôt. Essayez de nous suivre un peu parce qu'on est au seuil critique pour pouvoir survivre sur YouTube. Donc, on a besoin de, comme on dit, de followers. Alors, faites un petit effort, c'est gratuit, ça coûte rien, mais nous, ça nous arrangerait beaucoup. Allez, à ciao, merci.